Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de la Vegan à Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Il y a un plaisir pour nous retrouver nous, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Jeudi, c'est lundi 9 septembre 2024. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Entre démocrate Kamala Harris et républicain Donald Trump. Pour spécialistes, c'est un moment déterminant pour l'élection présidentielle 5 novembre. La Chine et la Russie annoncent qu'ils vont mettre sous pied exercice militaire dans la tête collée. Et puis, candidat opposition dans Venezuela dans la dernière élection présidentielle, Edmundo González Urrutia prend exil en Espagne pendant que chef opposition Maria Corina Machado dit qu'il ne fait pas quitter le Panago. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre corps, nous pourrons le développer pour dans un petit moment, mais actualité a mené nous dans New York, côté États-Unis, avec Équateur, a patronné un projet résolution pour mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti, t'a transformé en force maintien la paix l'ONU. Et nous pourrons rejoindre Valério Saint-Louis depuis Studio New York, dans New York. Valério? D'après information que VOA Creole arrive joindre, ambassadrice États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, dans le moment que nous avons parlé là, a travaillé ensemble avec ambassadeur pays Équateur sur un projet résolution que nous allons présenter devant Conseil Sécurité Nations Unies dans la date 30 septembre qui vient là. Projet ça pour loué à avenir force support sécurité multinationale là pour Haïti. Document ça que VOA Creole arrive joindre, eh bien, gain la donne, une demande pour l'ONU commencer planifier pour changer mission MSS là en une opération maintien la paix l'ONU. Document dit, objectif mesure ça, c'est à maintenir accomplissement MSS là pour t'arriver à terme jusqu'à présent. Pendant visite li dans le pays d'Haïti, n'a pas rappelé que secrétaire d'État Anthony Blinken t'a dit que une mission maintien la paix l'ONU, c'est une option États-Unis à considérer dans le moment que l'a cherché joindre accompagnement dans main l'autre pays étranger ensemble avec support matériel pour MSS là. Gen an bien moun ki te critiqué policier kenyan yo parce que d'après yo pas gen assez progrès qui fait vis-à-vis de gang armé yo qui ont même continué à terroriser quartier aux alentours Port-au-Prince yo et puis tout gang yo continué à attaquer la police. Anthony Blinken déclaré pendant conférence pour la presse que le débat dans pays d'Haïti avant que le prend avion pour l'aller en République Dominicaine que li pral travail pour organiser une rencontre ministérielle dans cadre rencontre annuelle ça que Nations Unies fait chaque année pour discuter sous support pour mission multinationale là pour Haïti. N'a pas rappelé que dernière force maintient la paix l'ONU qui était en Haïti entre années 2004 et 2017, t'est soulevé en pile critique pour épidémie choléra qui a été créée et puis tout abus sexuel. Il y a 400 policiers kenyans qui en Haïti dans moment là et qui travaillent ensemble avec police nationale là pour couper insécurité goumen contre gang fait opération anti gang mission envisager 1000 policiers kenyans et puis tout policiers qui a sorti dans pays comme Bahamas, la Barbade, Jamaïque, Bangladesh, Bénin et puis pays Tchad. Force a été supposé qu'il y a un total de 1500 moun les déploiements a complet. N'importe qui résolution États-Unis et Équateur t'a présenté t'a dû approuver par membre Conseil sécurité l'ONU avant que entrer en application. Document ça que VOA Creole joigne, c'est ça que l'I dit et nous souhaitons partager ensemble avec vous. Pour VOA Creole, Valério Saint-Louis, depuis New York. Merci Valério Saint-Louis. N'a pas entré dans Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. Eh bien, gagné unité lutte contre corruption, ULCC, les mêmes qui célébraient 30 ans, 20 ans plutôt d'existence. Nous sommes sur place Yves Manuel qui gagne détail. 8 septembre 2004, 8 septembre 2024, belle année déjà pour ULCC dans la lutte contre corruption. Dans allocution circonstance numéro 1 institution, renouveler volonté pour la bataille contre corruption dans l'idée pour permettre à la population non seulement refaire confiance à dirigeant Lio, mais tout occuper une plus bonne place dans le rapport annuel sur indice perception corruption. Jacques-Anne Ludwig Joseph. 20 ans après, il est venu le temps de les conférer en reconnaissance des risques énormes qu'ils encourent, des sacrifices quotidiens qu'ils font pour rendre à l'Haïtien son humanité arrachée, comme le disait le révérend père Charles-Joseph Père, par la corruption. Ce statut particulier prévu dans le décret de 2004. Premier ministre Guy Conny, qui t'a pris la parole dans ces circonstances, dit le regrette que 30% pète enregistré chaque année dans l'administration publique là.
Avec feuille de route, li baye ak ministre nan gouvernement lyo, li souhaite adresser problème ça et lutter contre fléau en sous toute forme. Eh bien, 30% nan moyen yo, yo va là. Ou un individu ou haïtien qui décide que l'intérêt pâle plus important que l'intérêt communautaire. Et c'est pourquoi mon gouvernement mobilise tous les moyens pour inverser cette tendance destructive. Et mes amis, croyez-moi, on va le faire. Ministre Finance là, Kathleen Floristal, qui te prend la parole dans nos ministères de tutelle ULCC, plaide pour un combat national contre corruption et l'invite l'autre acteur dans la chaîne pour une responsabilité. Du haut de ses 20 ans, cette institution, l'ULCC, se livre dans cette grande et longue bataille contre la corruption et par ricochet contre la corruption et les corrupteurs. Avec 20 ans, ULCC, jodi a, la continuer combattre corruption, la continuer moun qui encourage corruption et moun qui a fait corruption. Cérémonie 20 ans ULCC a été déroulée en présence diverses personnalités locales tant qu'étrangers. Directeur général ULCC a été profité occasion pour honorer plusieurs employés pour travail, loyauté, service pendant 20 années existence. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. L'autre point dans l'actualité a gagné un groupe d'action pour défense droit monde GAD qui est bail en conférence pour la presse jeudi et lundi 9 septembre. Et bien, responsable GAD là, maître Marc Arthur Mésidor, déploré fondation Jecléria qui mettait en dehors évasion et après l'équité passé dans prison civile Saint-Marc là. Mais nous allons rejoindre Junior Racine dans l'autre point dans l'actualité concernant Ville Saint-Marc. Commissaire gouvernement Saint-Marc là, M. Vincent François, dans un point de presse livré bay dans tribunal première instance là, qualifié rapport Fondation Jecléria comme un matraquage. Chef paquet a déclaré, c'est un rapport qui mal fabriqué, sans cohésion, cap tenté accuser monde qui honnête, crédible, cap travail pour bay vérité sous ça qui est passé dans prison civile Saint-Marc là. Commissaire a dit, li pou gen yon bon jan enquête judiciaire qui menait sous dossier ça. Commissaire Vincent François a bay version pâle sous ça qui est passé dans ville Saint-Marc dans date 16 août 2024 là. Dans même interview ça, chef paquet Saint-Marc là fait connait toute déclaration qu'a fait contre li yo, pas camper sous rien, li dit c'est moun qui impliqué dans zak malhonnête dans ville là, surtout dans volonté présence li dans juridiction bay en pile problème. C'est ça qui t'a à la base de tout ça. Commissaire gouvernement bay tout moun dans cité Nissa Sage a garanti, li pa blague ville là pour groupe criminel qui nan tête yo accaparer cité Nissa Sage a. Moi comprendre ça qu'a fait dans la fête de toute pièce parce que moi vin là m'goumé pour résoudre problème volontaire. Réseau pas alimenté, gros chabrak qui tout côté, pas ka joine avocat à tout faire qui dans toute qualité bagaille qu'a volontaire avec volontaire qui dans prison pour alimenter contio. Et bien y a utilisé ça qui passé pour tenter mettre commissaire gouvernement pour mettre deux citoyens dans le beau drap. Chaque fois que Saint-Marc là, il veut faire déclaration ça après rapport 6 pages FJKL Fondation Jecléré mettait dehors jour qui était 3 d'août 2024 là qui fait qu'on est vice-délégué arrondissement Saint-Marc là ingénieur Walter Montas avec l'autre témoin confirmé que plusieurs prisonniers étaient exécutés en présence commissaire gouvernement AI tribunal première instance Saint-Marc là M. Vincent François après il était fini gain contrôle situation dans prison dans jour qui était 16 d'août d'après FJKL pour Bibiti 14 prisonniers étaient rivés perdu la vie, 7 blessés à qui un prisonnier rive échappé pour lui. Administration, cuisine, infirmerie, dépôt, ak archive, tout net te passé en bas flamme d'ife. Fondation Jecléré mandé à IGPNH là l'ouvri yon enquête administrative à qui yon enquête criminelle pour faire lumière sous incident ça qui li décrit comme yon massacre. Métropole Bazatibonite Saint-Marc, Junior Racine, La Voix de l'Amérique. Merci Junior Racine. Donc son dossier qui continue à présenter des rebondissements, question de paquet de prisonniers qui étaient courus quitter prison Saint-Marc là. Donc Junior Racine a continué à garder pour nous de près ça qui a passé par rapport à prison Saint-Marc là. Et puis un autre point qui domine l'actualité, c'est question insécurité, mais c'est question tout route qui bat un problème à cause de tout problème insécurité avec zone de non droit. Et ben grand pile monde qui a allé dans des routes qui bat en pile problème et que yo prend en pile temps pour capable river la caillou. Et ben gagne Steven Aristil qui a traité question ça pour nous dans un reportage. Steven
Moi, tout le monde me passe pour moi. Tout le monde me passe pour mal en pays, me lance en mis. Avant de me passer là, on va l'appeler. Je fais 5 ans de temps pour moi, jusqu'à ce que je me déjà mette. Mais je dis à la tourner là, et même calamité. Je ne vais pas mourir, je dis à non, mais. Et même calamité, même coup de bâton. Et puis, bon, tout le monde bloqué. Pas rien côté pour nous passer encore. Non, c'est le petit coin sacré, il fait. C'est le petit coin sacré. Ouais, c'est le petit coin bloqué. Bon, nous même, nous ne sommes pas obligés de mourir. Nous obligé de mourir avec voler ça au bord de nos amis. À cause d'insécurité, il y a un passage à très compliqué sur route nationale numéro 2. Les gens qui veulent éviter contact avec les bandits qui sont sur route là, qui ont fait la loi, risquer la vie, dans route Séguin pour être capable d'aller dans le grand site là. Sitou, Jacques Mel, Kay Jacques Mel, Marigo, Tiot, Agbelance, pour ne citer ça ou seulement. Il y a un trajet dans le temps à route normale qui compte prendre 2 temps. Etienne Dulfis, qui est un parmi plusieurs personnes qui ont fréquenté route ça, déplorer Italie, ça qui l'a causé pour plus de temps passer salta doué. Bon, gè moun ki sa pa le bon côté, gè moun ki pral fè tchòt, li fè sikèt. Ou fè Jacques Mel avec ici ou pa fè kapèt. Bon, parce que pou la ou travab. Li te ka fè monstan ou travab. Pour aller dans grand site la vin tan kou yon pa risqué dans tout route yo. Melville Pierre Richard qui c'est un chauffeur moto qui fait trajet 15 kof ak Seguin. T'ap explique nou situation yo nan route si la. Il était tout profité mandé l'état pour voyager garder yo. Pour Mackinson, c'est même l'enfer à y vivre comme chauffeur moto chaque jour. Bon, pour route nan même pou bien tout son casque chinois. Parce que même chauffeur à l'aide sur moto a, il gagne un petit casse peur. Parce que visage de gens ou nous est un petit chargé roche, des fois on est là pour tomber. L'île vraiment est praticable. Mais ça que nous avons dit, pour l'État, fournir, j'ai gardé la situation route que nous avons passé et surtout les embas bloqués. Bon, on a demandé support de l'État pour nous. Fournir, j'ai gardé la route. C'est là qu'il y a des questions en passant par ce gain pour tomber dans la situation. Ah, pas de route. D'abord, par exemple, sur le côté pour voir monter mon nom là. Sur votre chai, vous payez pour chai là. Quand tu vas à la veine là. Vous payez pour chai là, vous payez ou même tout. Ok? Vous payez pour monter mon doigt. Il n'y a pas 4-5 moun qui est pour Edo. Il n'y a pas 4-5 moun qui est pour Edo qui est mon doigt. Quelques monde dans la population qui pas voulait parler devant caméra nous fait qu'on est. Il y a prétend opération policière haïtienne ou policier kenyan ou commencé bail résultat pour capable débloquer route nationale yo parce que yo fatigué risquer la vie chaque fois au besoin aller dans pays yo. N'a pas rappelé premier contingent policier kenyan ou arrivé dans pays à 25 gens qui sont passés là. Yo gain pour mission accompagner police nationale là pour restaurer la paix dans pays ya. Moi c'est Steven Aristil depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Steven, ou sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue creole haïtienne. Actualité électorale haïtienne aux États-Unis dans un petit moment. Et oui, ou sauvez ou à Creole, ou suivez un programme dans langue créole. Haïtien, t'as compté annoncé, nous pourrons parler de l'actualité électorale là, ici aux États-Unis. Donc, gros point, c'est définitivement débat qui pourra être fait, demain, pendant 90 minutes, dans Philadelphie, qui pourra le mettre face pour face, et démocrate Kamala Harris, vice-présidente là, et puis gagner ancien président républicain Donald Trump. Et c'est première fois que y'a rencontré dans un débat, et y'a pas jamais parlé d'après ça, et spécialiste dit, ou pas jamais parler, même dans le téléphone de Mounsa, ou pas jamais parler, mais il pral face à face dans Philadelphie et a bien deux représentants ABC News qui a bien posé aux questions. C'est David Muir avec Lindsay Davis et puis gagné plusieurs dizaines de millions de monde qui a bien pour regarder débat ça demain. Donc, ce gros rendez-vous. Quoi nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe dans le chapitre électoral là. Ça va bien longtemps, un journaliste avant d'Amérique était visité Berkeley Springs, un petit bouc touristique dans West Virginie, côté famille, t'as amusé avant l'école l'ouvrit et avant annonce président Joe Biden t'a fait pour l'abandonner course pour Maison Blanche là et puis passer ma être là by vice-président Kamala Harris. It's going to attract a lot of the female vote. John Lynch, électeur dans West Virginie, déclaré Kamala Harris va attirer un pile électeur femme avec vote minorité. Mais pas gain rien qui clair pour candidat parti démocrate là, mais il pas gain rien dans main li pour lui mener campagne, aucun dossier.
West Virginia était par ancien président Donald Trump une des plus grosses victoires dans l'élection 2016 avec 2021, mais électeurs ont une inquiétude pour l'élection 2024. Chanel de Croix, un électeur dans West Virginia, parlait pour dire situation mettait gros tension sous lui à cause. Pour me parler clair, moi c'est un supporter Donald Trump, mais moi crois que l'électeur pas qu'a décidé dans quel sens que pour aller voter. Jeudi, il pourra voter pour Kamala Harris. C'est un État rural qui joue un coquin rôle dans la politique nationale État. Depuis l'élite élu, seul sénateur démocrate, li, Joe Manchin, qui a changé pour le tourner un candidat indépendant à Nessa. Sénateur a joué un rôle important en a fait voter une série de propositions de loi pour l'administration Biden. Nan. Mais avec décision que Joe Manchin prend pour le prendre retraite li à Nessa, les républicains ont presque assuré à remporter un siège dans le Sénat avec le candidat du gouverneur populaire Jim Justice. Marty Gerhardt, c'est un républicain qui en même temps est un leader de la Chambre des députés d'État. Allez pour dire, nous gagnons mine charbon, gagnons une attaque sur mine charbon et gouverneur justice gagne quelques mine charbon. Donc, nous espérons ouais, protection pour l'industrie. En plus, l'électeur en démocratie responsable pour l'industrie mine charbon qui a perdu force et ses principales industries État. Mais démocratie dans West Virginia, qui était dans la convention nationale Parti démocrate là, dans Chicago, t'essaie de faire monde dans l'État changer ça que vous pensez de Parti démocrate là. 3000 ans, un délégué démocrate dans West Virginia déclaré ça qui arrivait assez directement à cause de machine automatique qui fait un pile bagaille ça qui vient éliminer un pile job. Côté dirigeant, plus intéressé dans exploiter mines sous surface terre au lieu d'exploitation mines souterrain. Donc yo bail mine charbon yo porter responsabilité tout problème dans environnement. Rival démocrate Jim Justice là, en parlant de Glenn Elliott déclaré par électeur contrôle républicain pas jamais bon pour économie état non plus tout pour croissance li. Nous devons encourager ti business yo une façon gens non pas ta doué j'en fais ça avant. Nous devons faire jeune continuer voter. Parlement pas suspendre voter une série de lois qui mettait restrictions entre autres sur avortement, tant que loi sur LGBTQ, qui voye message ba jeune que nous pas besoin présence ici là. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Aubert. Actualité à mener dans le pays Venezuela, côté que pays a fait face à un nouveau développement dans la crise politique et électorale à côté auprès candidat opposition dans la dernière élection. Et bien lui-même lui prend exil. En Espagne, on a le droit de sa vie près. Candidat opposition politique là dans Venezuela dans dernière élection présidentielle yo Edmundo González Urrutia 75 ans trouvé en exil en Espagne et c'est là tout il publié un message vocal pour annoncer que la continue lutte pour démocratie dans pays. Quería informarles que hoy en horas de la mañana. Moi t'aime faire nous connait jodi dans matin moi arrivé dans ville Madrid. Voyage moi côté moi quitter Caracas té entouré à épisode qui gla dans pression à gros force pour empêcher me partir. Moi gagne espoir que très bientôt n'a continuer lutte pour liberté et rétablissement démocratie dans Venezuela. Moi salue nous toutes. Monsieur Urrutia quitté Venezuela avec madame ni à bord un avion militaire espagnol et ont débarqué dans base aérienne Torrejón de Ardós tout près ville Madrid côté un paquet de partisans avec drapeau vénézuélien. Nan meo te vin accueilli. En Espagne, chef diplomatie José Manuel Álvarez déclaré sur radio Onda Cera, monsieur Urrutia te mandé yon asile politique yon demande Espagne accordel. Et puis chef diplomatie dit li parler ak monsieur Urrutia nan avion et c'est là ça tout que il t'est confirmé que monsieur Naout li t'est confirmé ça nan micro journaliste. Je confirme que Edmundo González. Moi confirmé que monsieur Edmundo González actuellement sous route pour l'Espagne nan yon avion militaire espagnol. Monsieur Manuel Álvarez t'est tout profité dit pas de aucune négociation politique entre gouvernement espagnol et gouvernement vénézuélien. Ça veut dire pas de aucun boucantail pour Edmundo González ta quitter Caracas. Depuis dimanche, secrétaire d'État américain Anthony Blinken t'a exprimé soutien Washington pour opposant politique vénézuélien dans un message sous X. Venezuela a voté en faveur changement. Gen gros répression Maduro fait après élection côté que li touye et mettait en prison. Et candidat vainqueur Edmundo González Urrutia rete meilleur espoir pour
démocratie dans Venezuela. Nous pas qu'à quitter Maduro ak akolit li yo, accroché ak pouvoir par la force. Volonté peuple là doit respecter. C'est ça nous lit dans un message sous compte X secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Pendant ce temps, président Nicolas Maduro lui-même, li lagué un paquet de venir sous opposition et il dit que yo nan coquin, yo nan magou, yo nan complot avec étrangers contre Venezuela. Edmundo González Urrutia qui toujours dit c'est lui qui remporté élection 28 juillet, t'es dérefusé paraître dans tribunal 3 fois côté il t'est doué vinn témoigner sur une enquête. Alors que conseil électoral lui-même by Nicolas Maduro vainqueur avec 52% voix. Donc situation était toujours compliquée dans le pays Venezuela. Là, c'était un nouveau développement. L'autre point dans l'actualité internationale là, d'après sa administration militaire région Nord-Est Ukraine, en fait qu'on est hier dimanche 8 septembre, il y a deux monde qui mouri et 4 autres qui blessé après une attaque aérienne la mer Rousse pendant la nuit là sous Sony, une ville dans Nord-Est Ukraine. Détail avec Gentil Augustin Junior. Ministère Défense Rusla rapporté que troupes la Russie détruit tanks ukrainiens, machines blindées, armes et l'autre équipement. Et puis frappé atelier drone ukrainien, dépôt munitions et l'autre installation dans combat avec force ukrainien yo dans dernier 24 heures de temps qui sont passé yo. Ministère a dit que dans direction Kursk, force Russie a contrecarré 5 attaques commando ukrainiens qui ont visé plusieurs colonies. Pendant ce temps, l'état général force l'armée ukrainienne rapporté 95 batailles sous ligne devant yo ak bataille qui pichofe ya nan direction Kourakov ak Pokrovsk et puis situation nan Pokrovsk toujours sombre. Côté commandant force l'armée ukrainienne te prend toutes mesures nécessaires pour repousser offensif l'armée russe et puis stabiliser situation. Nan yon note sous Telegram, Vyacheslav Gladkov, qui se gouverneur région Sud Belgorod dans la Russie, dit hier dimanche là que force ukrainienne yo lancé attaque drone qui visait un dépôt gaz dans district Volokonoski, ça qui mettait dit fait la donne. Président ukrainien Volodymyr Zelensky qui toujours a mandé pays occident yo aide. Te rencontré ak premier ministre italien Giorgia Meloni après yon romble business TEA qui fait chaque année nan nord Italie. Côté Italie renouvelé engagement li pour li continuer supporter Ukraine. Li dit l'Ukraine. Choix pour supporter Ukraine te si tout yon choix nan intérêt national. Et puis c'est yon choix qui pa pral changer. Pendant ce temps la Chine annonce jeudi lundi 9 septembre que li pral fait exercice militaire ensemble avec la Russie dans mois ça. C'est ça ministère défense chinois annoncé dans une déclaration. Côté li dit exercice ça gain pour objectif approfondir niveau coopération stratégique entre l'armée chinoise ak l'armée russe et puis renforcer capacité yo pour yo confronter menace sécurité yo ensemble. Mais ministère a pas bay ni date ni jour exercice yo a commencé. Yon l'autre côté, Iran rejeté accusation pays occident yo comme quoi l'a voyé zambay la Russie. Porte-parole ministère affaires étrangères Iran Nasser Kanani dit nous rejeté ak toute force accusation que Iran joué yon rôle nan exportation zam pour aider yon parti nan conflit a. De pays allié yo Iran ak la Russie te accéléré approchement entre yo nan domaine économique énergie ak militaire depuis commencement la guerre Ukraine là nan mois février 2022 et depuis un pile pays dans l'Occident te mette sanctions sous la Russie. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil. Dans la région Moyen-Orient, gen autorité palestinienne jodia qui organise yon funérailles pour American Tuxa qui mouri dans Cisjordanie pendant que l'été a fait manifestation pro palestinien et que l'été recevoir en balle dans mes soldats israéliens. Donc c'est go et enterrement qui fait jodia. Et puis moun ki fanatique et qui malade pour question
technologie électronique, et ben tant coup et montre électronique, ordinateur ou bien téléphone, et ben moun sa yo pral gâté. D'après Sandra Le Maire qui fait nous connaître que et ben téléphone intelligent ou bien smartphone et 16 là, mes amis, Lina Wout, en allo jeune Sandra. The next generation of iPhone has been designed for Apple intelligence from the ground up. Apple dévoilé jeudi un nouveau iPhone li que intelligence artificielle corée. Nouveau téléphone intelligent iPhone 16 là, c'est nouveau génération iPhone qui basé sous intelligence Apple, PDG compagnie technologie Tim Cook fait connaître. Apple Intelligence, qui c'est nouveau logiciel AI Apple, prend le service pour améliorer assistant personnel de Siri. Une version essai Apple Intelligence en anglais est disponible aux États-Unis mois prochain, qui donc octobre. Li pral disponible en anglais que moun pale nan pays tankou Angleterre, Australie ak Nouvelle-Zélande nan mois de décembre nan. Et puis Apple di version logiciel la en chinois, français, japonais ak espagnol ap disponible année prochaine. iPhone 16 la gen yon nouveau puce A18 qui gen yon fond en aluminium et puis yon nouveau bouton qui ka servi pour contrôler caméra. Prix iPhone 16 là, c'est $799 pour modèle de base là. Et puis iPhone 16 Plus là lui-même, c'est $899. Apple dévoilé tout iPhone 16 Pro et Pro Max qui fait avec titanium et qui gagne plus qui pi rapide là à 18 Pro et qui gagne plus fonctionnalité AI là-dedans. iPhone 16 Pro là coûtait $999 et puis version Pro Max là coûtait $1,199. Apple dévoilé tout série 10 Motlia qui vend pour $399 et qui gagne une face qui plus gros passé prédécesseur li et qui va offrir fonctionnalité plus perfectionnée sous santé, sport avec situation d'urgence. Pour finir, Apple améliorer tout écouteur li yo que li rele AirPods. D'après Apple, yo pi confortable et li améliorer acoustique yo. Mais tout ça, gagnent yo AirPod que moun ka servi pour tande pi bien si yo gen problème pour tande. Version ça attend approbation agence qui contrôle les produits kap vann sou marché américain. Sandra Le Maire, VOA Creole, Washington. Abelab sur reportage là avec Dengrier. Mes amis, si on moun vle faire mon cadeau, pas besoin de chercher encore pour connaître qui ça pour moi. Ou souvez ou à créole, ou à suivre le programme dans la créole ici. Et puis une nouvelle qui fait tomber pour une finir gain process Kate Middleton qui était annoncé dans finissement mois de mars là que libéral suivion chimiothérapie contre cancer et ben l'annoncer jodia que et ben traitement non fini avec un message et un traitement 9 mois avec un message que le mettait sur réseau social yo li déclarer moi pas qu'a dit nous qui j'en c'est un soulagement pour finalement fini avec traitement ça. Et Princesse de Galles dit c'était 9 mois qui était terrible, qui était dû en pile. Li dit tout chimé dans direction et guérison avec rétablissement complet. C'est un chimé qui très long et lui-même li obligé prend chaque jour et Jean Vini, c'est comme ça la vive et moment ça. Donc c'est ça l'annoncer sur toutes les réseaux sociaux yo, et ben il se passé 9 mois dans chimiothérapie et Konya li dit que et ben c'est 9 mois li fini Konya, mais ça va veut dire que li guérit totalement. Il dit parce que chemin guérison hein, et ben son chemin qui long, elle prend la vie chaque jour Jean Vini. Et c'est avec dernière nouvelle ça que n'a metté fin dans programme non, mais nous pas oublier question smartphone non et téléphone intelligent, les amis, c'est tête chargée. Merci Sandra pour toute information ça yo. Sandra ba nous prio tout, donc nous tout connaît côté n'gade. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Nous pas c'est Jacques Belize, moi voulais et remercier Jean-Marc Hervé Abela, par contre c'est Djoubek derrière et puis Abdelrahman qui c'est zami nous saluons le tout. C'est pas Rob McLean, c'est Abdelrahman. Moi c'est Jacqueline Belizer. Nous souhaitons nous pour passer une bonne fin de journée et puis à demain. Là,
N'a pas gardé, semblé là, t'as joint mon épiècio, dans le cadre opération que la police menait dans la commune Crécier, dimanche après-midi quitté, 8 septembre 2024, là. C'est vrai, c'est triste parce que c'est des jeunes garçons que vous qui peut-être t'es capable d'utile payant, mais y'a t'a accepté que de moun décide rentrer yo dans activité criminelle, accepter qu'un des armes illégales nan men yo, accepter terroriser population, accepter poser un ensemble d'actions malhonnêtes, et je dis, et gen moun ki t'a dit, après pile méchanceté que nèg sa fait moun, prend moun, tuer moun, nan mitan kafou, jan an di yo tuer monsieur Pierre-Philippe Agnan, et yo mette di fe sou li, yon mette nan bouette, mais gen moun ki dit que, mais même so que mandi yo fait avec moun yo, mais c'est même so sa pour yo fait avec mandi armé yo. Ça veut dire moun ki dit que, yo pa prend la peine, yo pa prend pitié pour mandi armé, lè ki yo tande que la police ou bien force de l'audio, et nan boukante kout zam avec yo, yo pet bandi la vie, mais en même temps tout, yo pas prend la peine pour yo, les que c'est population civile qui décide ba yo sanre les bois calés. Et c'est là le problème n'existe parce que je dis, nous répondons que c'est violence qui a essayé de résoudre violence qui est là. Comprenez bien? C'est violence qui a essayé de résoudre violence qui est là. Et c'est là le problème. Nan. Parce que qui quantité violence qui vous a fait, qui vous a gagné, pour que vous résoudre ça là comme problème. Mais j'en que situation qui t'a présenté, j'en que réalité qui t'a yé là, je dis, obligé de venir dire tout que, est-ce que n'pas nos situations pour que c'est violence qui vous gagne, pour que yon résout sa gain là, et après ça, n'a pensé état de droit, n'a pensé société, n'a pensé ensemble de leur bagage dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Mais, j'en de je dis, nous pas dans état de droit. Et puisque n'pas dans état de droit, nous avons une anarchie totale capitale. Nous avons une anarchie totale capitale. Et je dis, obligé de dire que, pas oublier, l'État qui monopole violence légitime, non? Et l'État, c'est lui-même tout, qui a une impérieuse obligation pour être capable de protéger droit à la vie chagrin haïtien. Mais si qu'on y a, haïtien, ça décide de tomber dans désaccord, dans désobéissance à la loi dit, eh bien, il clairement que, attendre que n'a tombé dans la situation ça. Et je dis, ça pour nous comprendre, je dis, ça pour nous garder, la police, l'armée d'Haïti, obligé de comportement ça, c'est parce que, yo même tout comme policier, yo même tout comme militaire dans l'armée d'Haïti, yo connaissez under ghetto à sorti. C'est là madame yo a vive, c'est la petite yo a vive, et la maman, papa, frère, c'est yo a vive, qui donc, yo a obligation pour établir sécurité en dedans ghetto 1. Et ça fait, yo continue à demander des moyens, malgré moyens limités, mais avec ça, yo a toujours dit, yo a essayé goumen, yo a essayé quand même garder, j'ai capable de porter solution avec ça là comme situation. Et disant dans Crécier dimanche 8 septembre 2024 là la police rappée gè pou pipiti 3 à 4 présumés bandits que nous connaît fait partie ensemble groupe gang qui dans Crécier yo qui tombé qui va les deux bouchons dans échange coup d'armes avec la police mettez sous ça en même temps tout gè un bandit crélé Ti Michel qui va bois calé dans Crécier qui donc Crécier jodi là li en mode opération entre la police et population civile qui a vu dans Crécier des événements. La situation de population dans tout pays a presque appris destiné jusqu'à présent parce que ouais gon l'autre vent qui a vanté avec responsabilité que la police dans toute unité a pensé prendre pour permettre que sécurité tourne dans pays et ben dans Léogane précisément dans zone Bouillotte troisième section communale et Grande Rivière population touillé des chauffeurs taxi moto yo accusé yo et comme moun qui fait partie réseau criminel gang qui nan Crécier k'a bay problème monsieur ça été débarqué dans les organes et la population ba yo ça yo mérité et moun yo dit yo pas quitter bandi vin faire ça ou vle ak ça ou vito nan zone pa ou dans les organes parce que situation paraît très difficile ensemble activité yo toujours été paralysé dans rentrée nord capitale là c'est conséquence sa présence permanente nèg ak gros am fan fwa qui nan mero sur route nationale numéro 1 dans niveau canaran bandi si la représenté un gros danger pour sécurité arrondissement à Kaye côté citoyen qui dans Kaye c'est presque chaque jour malgré gain présence et pour Kounia et monsieur Boy qui rive qui vient renforcer la police dans Kaye mais ça pas empêcher que moun yo trouvé dans situation très difficile très douteux
Le ça gagne 27 l'année, les personnes, et le 8 septembre 1997, sous administration et défunt René Gassabrival, eh bien, t'es gagné, et plusieurs centaines, Gonaviens qui étaient vivés, perdu la vie, et non, l'en met, et malheureusement, à travers un bateau qui était relé, fianté, Gonaviens, et il était coulé, et ensemble, nous sommes arrivés, perdu la vie. Et jusqu'à présent, il y a des revendications qui sont venues pour demander avec autorité, pour essayer de contrôler, surtout, ces manas, pour prendre contrôle, monde qui apprend, et l'en met, et toutefois, qui ont besoin qu'on est dans quelle dimension, dans quel niveau, parce qu'en pile haïtien, il peut perdre la vie dans condition ça. Commandant, MSSA, Godfrey Otunge, annoncé pour fin mois septembre, la personne a gagné. Il y a un autre contingent de plusieurs pays qui a entré en dedans pays. D'un coup, Bahamas, Jamaïque, Belize, c'est toujours dans le cadre de support sécurité multinationale là, d'après et officier, d'après chef officier et Godfrey Otunge. Eh bien, il fait quoi que il a continué à avancer pour permettre que question sécurité a rétabli dans le pays hein, et regardez pour qui va dans police ça va venir augmenter sur quantité policiers kenyan qui rentre dans pays hein, il fait quoi que ensemble ça qui pour avec opération yo pour intensifier dans capitale pays ta coup dans commune quoi des bouquets Port-au-Prince Delma à ta zone qui dans périphérie ça permet que moun yo qui dans département la Tibonite les ouais ensemble autorité quel dans la police quel à travers force multinationale là quel dans le gouvernement pas penser avec situation qui est dans le département de la Tibonite là, il a demandé est-ce que la Tibonite pas fait partie pays là et elle connaît il y a une insécurité et qui enragé dans le niveau département de la Tibonite côté monde pas suspendre violer mourir et même détourner camion marchandises qui a fréquenté route nationale numéro 1. Vestation du premier ministre Dr Gary Conille avec ministre santé a, et nous voulons parler de Georges fils Brignol pour qu'on y a yo pratiquement entendu pour joindre et yo entend après l'aide de blâme que premier ministre santé voyé bail et ministre santé publique là parce que l'ité a fait une série de nominations pendant et pratiquement lui-même l'ité pratiquement dit non que ça n'a pas de fait et c'est la primature qui était due et permettre ensemble nomination fait. La situation dans démonstration que la police présentait dans zone Kwadebouquet sur route nationale numéro 8 là côté gang 400 maros de monter mirage et bien la situation yo arrangé qui permet au moins que la police se prépare la situation mais bandits yo toujours arrangé yo fouiller des gros trous dans espace où il y a toujours un contrôle situation. On population par contre, qui 5 kilos de ADC, après intervention de la police, eh bien, bandit 400 marozo détourné plusieurs camions qui t'a transporté marchandises, tapoudiri, à cigarette, eh bien, il y a poté ça, il y a un peu de base à toute machine. Bon, pas de monde qui connaît qui ça qu'il va le faire avec chauffeur. Dans le dossier qui est lié avec méchanceté, artiste, que nous songeons, en plus, on a demandé qui côté artiste là. La police dans l'État Floride a arrêté Ali Emilien. Vendredi qui était 6 septembre 2024, la souplette famille artiste là était déposée selon information qui peut quoi. Ali, c'est une monde qui était organisé voyage, bateau, sorti Bahamas, sorti entré États-Unis, qui est artiste méchanceté la donne, ou jusqu'à présent que personne, par exemple, connaît, et c'est un voyage qui a organisé depuis le mois de juillet, parce que Blaise Peterson et ça, on est pratiquement, et pour le faire essentiel, et monsieur, nous pouvons faire, pour nous discuter, nous pouvons regarder avec Samy Internet, responsabilité que la police a pris là, qui ça qui est le cap pour en plus, qui ça qui est le faire au même comme peuple, qui permet que le résultat, il paraît visible et direct à la population, se dit, non, ça y a, mais c'est ça. Desi Venesse, ça m'a annoncé encore de plus, c'est que m'a regardé là, en bas, j'ai, dans la ville cap-haïtien, et gagné là, Desi Venesse, dans bas, j'ai là. Au total, n'importe 7 à 8 jeunes garçons qui, dans le commissariat cap-haïtien, c'est ça que nous apprenons. Et semble pas que les gens qui comptent qui est sur eux, même comme si vous pas habitué avec visage ça yo. Et ceux qui bon jeune garçon, mon chevet au tressé, tout ça yo, et semble désir, monsieur, que les pas même que pièce sur yo. Même dit pièce, ça veut dire, pour être capable d'identifier qui est sur yo. Eh bien, ça me dit, hein, ça sont informations que des journalistes qui n'ont pas ici partagé. Est-ce que jeune garçon ça yo, côté au sorti, qui est sur yo? Ça qui arrive ou pas mon capaïtien, mais au sorti dans une ville, ou dit mais dans localité dans département nord pays d'Haïti. OK, ça qu'arrive. Ça qu'arrive. OK. Mais kounya et autorité policière yo kebe monsieur yo en garde à vue et pour capable j'aime plus donner plus information de ensemble jeune garçon ça yo. Et m'a dit clair dans moment jeune garçon même j'avais yo. Monsieur dame jeune garçon jeune femme qui n'ont comme si qui c'est des jeunes guerriers. Dans moment, gede côté, l'état déconseillé
pour que nous pas faire zone ça. Alors bien dire, si nous pas dans mauvaise affaire, si nous pas dans mauvaise affaire, on est que nous pas dans bagaille ou dans comportement nous. Ça veut dire gagner des zones, gagner des lait, gagner des espaces qui parfait pour nous. Non, dernier temps ça yo. Gagner des zones, gagner des lait, gagner des espaces qui parfait pour nous dans moment. Parce que sinon n'a victime et l'une victime n'a passé parmi la foule. C'est bien samedi. N'a victime n'a passé parmi la foule. Si qu'on connaît, nous pas mauvaise affaire, nous pas un drôle. Mais ce qu'on a, c'est mauvaise affaire. Ou a une pièce pour la police, ou a une pièce pour l'armée, ou a une pièce pour Kenyan yo. Bon, laisse ça. Si dans intervention yo, dans opération victime, il y a mon qui t'a dit, ou mourir dans pied travail ou. C'est comme ça me dit. Si vous me dites que jeune garçon ça qui trouvé yo, m'a regardé photo, m'a regardé image yo dans commissaire cap haïtien que il a posé question pour demander qui est soyé côté au sorti. Bon, t'as souhaité que yo jwenn information de yo et t'as souhaité tout, c'est pas ta des jeunes garçons qui t'a dans de mauvaises affaires. Vous comprenez ça me dit. Qu'on a désir en nous vini dans causer et gros frappe que la police baille dans le crécier. Dans l'après-midi de dimanche, 8 septembre 2024. Là. Pas oublier que Grécier, il y a plusieurs mois que nous connaissons, bandit a fait la navette dans différentes localités dans la commune Grécier. Mm-hmm. C'est vrai, la police, jusqu'à ce que nous avons même fait un gros envahissement, nous avons boulé le commissariat, nous avons crassé le commissariat, nous avons tué plusieurs personnes. La police finit. Kouri de negyo, negyo ale, gen mouri ale, negyo retourne. Mais la police retourne encore. Kounia negyo ese ap e gaye yo, nan divers kote, nan commune Crécier. Et negyo fan pile mauvais action. Negyo komet en pile action malhonnête. Nous kon sa clé. Et pendant semaine se passe en la, si m'ba trompe m, entre mercredi ou jeudi, moun nan commune Crécier, yo tap lancé des SOS, yo tap lancé des cris d'alerte. Pour yo dit que des plusieurs machines bouées avec de jeunes garçons, zam à la main qui envahit comme une Grécier. Et moun yo tap lancé des SOS et yo tap mandé renfort pour policier Udmo Utag qui l'autre bois. Et gen la désir et quelques chablende policiers et l'armée d'Haïti, yo té poté renfort. Mais police était déjà l'autre boyo. Mais nèg yo mené n'apprendre que de opération solide dans la commune Crécier et désir de un pile jeune garçon qui va la donner naissance. Et j'aime dire désir, m'a regardé en bas gym là. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait n'importe 5 jeunes garçons. Presque qui tombe m'a regardé là. Et m'a regardé Jean que tête nèg ça au crasé là, Jean que moi nèg ça crasé en pile pile sous pile là, li dérangé parce que moi dit tout à l'heure jeune ça yo, si yo pas décidé kebe sam, yo pas décidé rentrer dans mauvaise affaire, t'es qu'on doit c'est des ingénieurs que oui, t'es qu'on doit c'est des médecins que oui. T'es que c'est des bons techniciens électriciens qui ont eu, bons mécaniciens qui ont eu. Mais ils étaient prêts un chemin, ils étaient prêts une ligne qui c'est une ligne mauvaise affaire. Dans théoriser, dans touiller, dans détourner, dans violer, dans craser, dans briser. Mais qui donc, si je dis là, ça qui a vivre, ça qui a vécu là, des gens qui t'a dit que ils ont pas pris la peine, ils ont pas pris pitié pour eux. Bon, moi-même. Comme directeur d'opinion, ça m'a capable de dire, m'a toujours dit que, mais pour que force de l'audio, mais pour que l'État, dans tout compatiment,